Ministre touriste là Stéphanie Balmier-Veldouin encourager diaspora haïtienne nan tout partout dans monde là venir investir dans secteur touristique là en Haïti. Madame Veldouin souligner gouvernement a discuté avec représentant diaspora pour voir comment yo capable mettre camper dans pays à plusieurs chaînes hôtel. Ministre Stéphanie Balmier-Veldouin toujours dans micro Emmanuel Tolembrina avec Joseph Nono. Lorsqu'on a entamé le processus d'organisation de ce grand événement qui est Amcham, une des priorités de cet événement c'est d'attirer les investissements. Et lorsqu'on regarde les différents secteurs où aujourd'hui on peut investir en Haïti, le tourisme, je peux dire, est au même niveau que l'agriculture, que l'infrastructure et que les compagnies textiles. Donc, encore une fois, je remercie Amcham qui a pu permettre que le secteur touristique soit et aujourd'hui un secteur où tout le monde en parle, tout le monde veut comprendre l'importance de ce développement pour le pays. Et on sait bien qu'il va y avoir nécessairement non seulement des revenus pour le pays, mais aussi et la création d'emplois. Concernant la diaspora, on n'a pas nécessairement tous les chiffres, mais au niveau du ministère du Tourisme, on travaille beaucoup avec les représentants de cette diaspora pour l'investissement d'hôtels, surtout dans les régions et dans les régions où ils sont originaires. Donc effectivement, c'est un secteur qui est très important pour Haïti, que ce soit au point de vue des ressources qu'il amène au pays, mais aussi des transferts. Il y a une autre façon, une autre manière de converser avec la diaspora pour motiver cette diaspora vers autre chose. Maintenant, il n'y avait jamais, d'après ce que j'ai cru savoir, un dialogue vraiment permanent avec la diaspora. Et c'est pourquoi je compte bientôt inaugurer une maison de la diaspora ici où les Haïtiens vivant à l'étranger peuvent venir avec leurs doléances, que nous puissions voir ce qu'ils veulent exactement et les diriger vers les investissements bien précis. Et je compte maintenant avec le gouvernement, le ministère de la Culture, nous avons énormément, nous avons environ 50 000 hectares de terre bien arrosés qui ne font absolument rien. Et c'est la raison pour laquelle le dollar actuellement est en train de prendre pied sur la gourde. Et nous n'exportons pas beaucoup et nous ne produisons pas. Donc on va revoir comment on peut favoriser la culture en Haïti, l'agriculture. Et nous n'exportons pratiquement rien, mais pour le moment, nous allons faire en sorte d'importer moins de Santo Domingo surtout et d'un peu partout.